Dans cette vidéo, nous allons nous familiariser avec les fonctions de base de Maxima qui nous permettent d'obtenir ce qu'on obtient avec une calculatrice. Cette vidéo se base sur un document qui est disponible et qui est écrit en WX Maxima. Premier pas en Maxima, on va regarder ce qu'on doit faire pour faire les calculs arithmétiques exacts, les approximations numériques et les fonctions utiles de la calculatrice. Les opérations arithmétiques usuelles en Maxima se font de façon similaire à ce qu'on obtient dans d'autres logiciels, c'est-à-dire qu'on utilise le plus pour faire une somme, on utilise le tiret pour faire une soustraction. Si on ne veut pas obtenir en Maxima le résultat d'une sortie, on va mettre le signe de dollar à la fin de l'instruction plutôt que le point-virgule. C'est évident que c'est pas très utile quand on désire le résultat d'une soustraction, mais cette possibilité a son utilité, comme on le verra plus tard. La division, c'est le symbole barre oblique. Alors, 6 divisé par 2 est égal à 3. Maxima ne permet pas les divisions par 0, telles qu'on s'y attend en mathématiques, il donne un message d'erreur. Si on fait une division dont le résultat n'est pas entier, Maxima va donner la fraction simplifiée équivalente, parce que c'est un logiciel de calcul symbolique qui donne une réponse exacte par défaut. La multiplication se note avec une astérisque. L'exponentiation, on peut l'écrire avec deux symboles, soit le symbole accent circonflexe, soit le symbole double astérisque. Alors 2 exposant 5 donne 32, 2 tiers exposant 4, 16 81e, réponse exacte. 2 exposant moins 1, c'est une demi. Les priorités habituelles en mathématiques sont respectées par Maxima, donc si on omet les parenthèses, les priorités vont en premier lieu aux exposants, ensuite multiplication-division et ensuite addition-soustraction. Donc, la première instruction qui est ici, il va y avoir la mise à l'exposant qui va être effectuée en premier, ensuite les multiplications et la soustraction en dernier. Ici, avec les parenthèses, on a mis l'emphase sur les opérations comme elles seraient effectuées avec les priorités sans les parenthèses. Évidemment, si on change les parenthèses de place, on change la valeur de l'expression. Maxima permet de manipuler les radicaux. Pour obtenir racine de 16, on va utiliser la fonction maxima SQRT, c'est-à-dire pour l'anglais square root. On met l'argument entre les parenthèses de la fonction. Donc, racine carrée de 16, 4. Racine de 2, Maxima nous donne une valeur exacte comme réponse. Il ne fera pas l'approximation numérique avec une partie fractionnaire après une virgule. Racine de 8, 2 exposant 3 demi. Maxima a ramené la base à sa plus simple expression, c'est-à-dire 2, et a mis l'exposant adéquat pour avoir équivalence avec racine de 8. Afin de comprendre ce qui s'est passé dans ce que Maxima a fait, on va regarder les opérations mathématiques impliquées dans l'équivalence de racine de 8 égale à 2 exposant 3 demi. Donc racine de 8, si on l'écrit avec un exposant, c'est 8 exposant 1 demi. En transformant la base 8 à sa plus simple expression, 8 est équivalent à 2 exposant 3. Donc, on obtient 2 exposant 3 exposant 1 demi. Les propriétés des exposants nous permettent de dire qu'on multiplie le 3 avec le 1 demi pour obtenir 2 exposant 3 demi. On a ici une autre expression qui implique une racine, la racine carrée de 5. Donc, 1 plus racine de 5 sur 2. Il n'y a pas de simplification possible algébrique. Donc, Maxima nous retourne l'expression telle quelle. Quand on a besoin de racines cubiques ou d'autres racines que la racine carrée, on doit les indiquer avec des exposants adéquats. Donc la racine cubique de moins 8 s'écrirait moins 8 exposant 1 tiers, avec les parenthèses obligatoirement de manière à imposer la priorité des opérations qu'on désire. Donc on obtient bien moins 2. Si on désire des approximations numériques comme la calculatrice nous les donne, c'est possible en Maxima. Pour indiquer à Maxima qu'on veut travailler avec une approximation numérique plutôt qu'une valeur exacte, il y a moyen de l'indiquer en utilisant le point dans les arguments. Donc 2.0 va être considéré comme une approximation de 2. Si on veut le calcul de 2 divisé par 3, comme on l'obtient habituellement à la calculatrice, on peut indiquer des points dans les arguments pour obtenir une approximation numérique du résultat. Racine de 2, racine carrée de 2, square root de 2.0, et on obtiendra à ce moment-là une approximation numérique aussi. Il suffit simplement d'indiquer un des arguments avec un point pour obtenir une approximation numérique pour que Maxima passe en mode approximation. Il y a des fonctions à Maxima qui nous permettent d'imposer les approximations numériques plutôt que d'utiliser le point. Une de ces fonctions-là, c'est float, FLOAT. On lui donne un argument et Maxima va considérer l'argument comme une approximation numérique.
Donc, si on veut la valeur de 1 plus racine de 5 sur 2, on peut toujours passer l'expression à la fonction float pour obtenir l'approximation numérique désirée. Par défaut, Maxima affiche un certain nombre de chiffres significatifs dans les approximations décimales. Il y a moyen de changer ce comportement-là. Alors, on va montrer comment. En affectant à fp_prec, qui est une variable système, une certaine valeur, par exemple ici 50, et en utilisant ensuite bfloat comme fonction pour obtenir les approximations numériques, on obtiendra le nombre de chiffres significatifs demandés au départ à chaque utilisation de bfloat. Maxima utilise ici une notation scientifique où le E est remplacé par un B. Donc, quand on voit le B, on travaille avec big float, c'est-à-dire les approximations numériques à haute précision. Il y a moyen de faire des calculs avec des nombres inscrits sous la notation scientifique ou sous la notation scientifique utilisant la précision maximale de bfloat. Alors, 2 fois 10 exposant moins 99 plus 1 fois 10 exposant moins 100, on obtient le résultat suivant. On a exactement la même expression ici, de la même valeur, mais en utilisant la plus haute précision qui nous permettrait d'avoir plus de chiffres significatifs dans la base ou la mantisse. Maxima nous permet aussi de travailler avec les entiers, de revenir à des valeurs entières à partir de valeurs qui possèdent une partie décimale ou qui sont des approximations décimales. La fonction round permet d'arrondir à l'entier le plus près. La fonction floor sert de fonction partie entière ou la fonction enter aussi. C'est le même résultat qu'on obtient avec les deux fonctions. Si on désire le quotient de la division entière, on peut toujours utiliser cette astuce-là pour, par exemple, savoir quel est le résultat entier de 17 divisé par 4. Donc, on va aller chercher l'entier immédiatement inférieur. La fonction ceiling ou la fonction plafond permet d'aller chercher l'entier immédiatement supérieur à l'argument. Ceiling de 2,1, donc c'est 3 la réponse, parce que 3 est l'entier qui vient immédiatement au-dessus de 2,1. Si on désire plutôt tronquer, c'est-à-dire laisser tomber la partie fractionnaire sans considération pour sa valeur, on utilise la fonction truncate. Donc, on laisse tomber la partie fractionnaire de 2,99, on obtient 2. On peut travailler avec les valeurs absolues, ABS. ABS de n'importe quel argument va nous donner en fait une valeur positive. On peut évidemment composer les opérations et les fonctions que Maxima offre en des expressions plus complexes. À ce moment-là, les expressions, si on veut les décortiquer, il faut bien lire les parenthèses qui représentent les arguments des fonctions impliquées. Si moins 3,5 est l'argument de la fonction ABS, et 5 moins valeur absolue de moins 3,5 est l'argument de la fonction round. Évidemment, les priorités des opérations sont respectées lors de ces évaluations. Regardons maintenant ce que Maxima offre comme fonction de la calculatrice. Habituellement, on travaille avec des constantes mathématiques prédéfinies comme pi. Alors, pi s'indique en Maxima avec pourcentage pi, c'est-à-dire par ces trois symboles-là exactement. Maxima nous donne une valeur exacte. Si, évidemment, on veut une approximation numérique de pi, on envoie pi à float, comme on l'a vu précédemment, ou à bfloat, pour avoir plus de chiffres significatifs selon la variable fp_prec qui aura été préalablement assignée. Le nombre e, soit la base des logarithmes naturels, est aussi connu de Maxima, pourcentage e. On veut une approximation numérique, il y a possibilité de l'obtenir. Maxima connaît aussi une autre constante mathématique qui est le nombre d'or qui est symbolisé par la lettre grecque phi ou par le symbole pourcentage phi. Alors, sa valeur numérique est donnée avec float. Et on obtient le même résultat qu'un plus racine de 5 sur 2. Maxima connaît aussi les nombres complexes, dont le nombre imaginaire i, qu'on peut obtenir en faisant la racine carrée de moins 1. Maxima, on voit, répond avec le symbole pourcentage i, qui est la constante à utiliser si on veut faire directement référence à cette valeur. Donc, en mettant i au carré, on obtient bien moins 1, comme on s'y attend. Racine carrée de moins 4 nous donne 2i. Si je mets 2i au carré, je réobtiens moins 4. Maxima connaît évidemment les fonctions exponentielles et logarithmiques. Donc la fonction exponentielle, c'est-à-dire e exposant x, va être symbolisée avec Maxima par exp. Alors on lui donne un argument entre parenthèses. Donc e à la 1 me donne bien e. Le logarithme en base naturelle s'inscrit log en Maxima. Attention, attention,
C'est la même chose que ce qu'on voit sur la calculatrice, mais quand on n'écrit pas la base 10. Alors, on a ici à s'adapter à cette nouvelle notation. Donc, log de 1 est bien 0, c'est-à-dire l'exposant qu'il faut mettre à E pour obtenir 1. Log de E, c'est-à-dire ln de E, donne bien 1, c'est-à-dire l'exposant qu'il faut mettre à E pour obtenir E. Si on désire obtenir un logarithme dans une autre base que la base E, il faudra se rappeler ce qu'on appelle la propriété du changement de base dans les logarithmes. Quand on a affaire à un logarithme dans une base B, on peut toujours aller dans une autre base A en utilisant cette propriété-là qui dit que le log en base B de x va être le log de x sur le log de B dans la nouvelle base. Donc, si on veut un logarithme en base 10, on va diviser le logarithme de notre argument par le logarithme de 10. Si on est en maxima, les symboles log ici représentent des logarithmes en base naturelle, c'est-à-dire en base e. Donc, si je désire calculer le logarithme de 1000 en base 10, je vais devoir diviser log de 1000 par log de 10, tout simplement. Maxima n'a pas donné une réponse simplifiée. On peut l'obliger à nous donner une valeur numérique en envoyant notre expression dans la fonction float. Évidemment, on peut pas prendre le logarithme de n'importe quelle valeur. Par exemple, le logarithme de 0 nous donne une erreur parce que le domaine de ces fonctions-là, c'est les réels positifs seulement en excluant 0. Quand on a besoin de travailler avec les fonctions trigonométriques, Maxima les connaît. Alors, sin, tan, cos, les fonctions de base habituelles. On doit toujours donner les arguments en radians. Alors, sin de pi sur 4, 1 sur racine de 2, tangente de pi sur 2 n'est pas définie, tel qu'on s'y attend. Si on désire le calcul d'une fonction trigonométrique sur un argument en degrés, on va devoir faire la conversion. Donc, comment convertir des degrés en radians et vice-versa? Si on a un argument en degrés et qu'on désire obtenir des radians, pour par exemple les donner à une fonction comme sin, cos ou tan, on prend notre valeur en degrés, on la multiplie par pi et on divise par 180. Si on regarde dans cette expression la simplification des unités, on voit bien qu'on obtient des rads à la fin. On fera le contraire quand on voudra convertir des radians en degrés. Alors, on prendra notre valeur en radians, on multipliera par 180 et on divisera par pi. Si on regarde les unités dans cette expression, on voit que les radians vont effectivement se simplifier pour nous donner des degrés. En utilisant cette astuce, on va donc calculer le cosinus de 30 degrés. On doit convertir 30 en radians, c'est-à-dire je le multiplie par pi, je divise par 180 l'argument. Je donne tout ça à cosinus. Et il me répond racine de 3 sur 2, tel qu'on s'y attend. Les fonctions trigonométriques inverses, arc cosinus, arc sinus, arc tangente, etc., vont être obtenues en utilisant a sec, a tan et ainsi de suite. Donc, arc sécante de racine de 2 pi sur 4. Si on désire obtenir un résultat en degrés, on va calculer la fonction arc sur un argument qui est un rapport trigonométrique. Et on multipliera par 180 divisé par pi pour obtenir des degrés à la toute fin. Donc, arc tangente de moins 1 donne moins 45 degrés. Maxima permet aussi de travailler sur les entiers. Quelques fonctions sur les entiers. La division entière. Alors, 17 divisé par 4 nous donne 4 avec un reste de 1. La fonction divide nous donne ce résultat. Si on désire obtenir deux résultats séparément, alors le quotient de la division et le reste de la division. Une petite remarque ici, le reste de la division de 17 par 4 donne 1. On utilise mod, qui est un nom standard pour modulo, qui est le reste de la division entière. On a aussi un autre nom pour la même fonction. Si on désire le plus grand commun diviseur de deux entiers, le PGCD, qui se dit GCD en anglais pour Greatest Common Divisor. Alors, le plus grand commun diviseur de 12 et 18, 6. Le plus petit commun multiple de 12 et 18, 36. On peut aussi demander à Maxima si un nombre est premier avec la fonction prime pi. Est-ce que 12 est premier? On me répond false. Non. Est-ce que 17 est premier? On me répond true. Oui. On peut factoriser un entier. Alors, par le théorème fondamental de l'arithmétique, on sait que chaque entier peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. Donc, 360 est égal à 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 fois 5. On a notre décomposition facteur premier. La factorielle. Alors, la factorielle sur la calculatrice est symbolisée par le point d'exclamation. C'est le produit de tous les entiers inférieurs, incluant celui qu'on a donné en argument, jusqu'à 1. Alors, 5 factoriel, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui donne 120. Alors, Maxima connaît le symbole. On a aussi un nom de fonction complet pour la même chose. Si on demande une factorielle trop élevée, Maxima va nous donner éventuellement une
approximation du résultat avec les chiffres les plus significatifs, les chiffres les moins significatifs et le nombre de chiffres qu'il n'a pas affichés. En ce qui concerne les exemples sur les entiers, on va finir avec le coefficient binomial. Alors, ce qu'on voit sur la calculatrice, c'est la touche avec un C. Par exemple, ici, 10C4, c'est le nombre de combinaisons de 4 objets choisis parmi 10 objets distincts. En maxima, le nom de la fonction à utiliser, c'est binomial. On va mettre les deux arguments entre les parenthèses. Le nombre de combinaisons différentes de 4 objets choisis parmi 10 objets distincts est de 210. Le coefficient binomial s'obtient à l'aide de factoriels également. Alors ici, on teste l'égalité des deux résultats. En maxima, il y a moyen d'obtenir de l'aide. Donc, il y a de l'aide disponible dans le menu d'aide. Plusieurs éléments de le menu d'aide méritent d'être explorés, entre autres un petit outil qui nous permet de voir le sommaire de toute l'aide disponible avec différentes rubriques. Si on s'intéresse par exemple aux limites, on peut aller lire tout ce qui est dit là-dessus, ou on peut rechercher à l'aide d'un mot-clé, exemple factor. Alors il va nous donner une liste de toutes les rubriques qui contiennent ce mot. L'index qui permet d'avoir une information plus précise qui porte sur le nom tel quel qui a été demandé. Malheureusement, l'aide en ligne de Maxima n'est qu'en anglais. Par contre, une fois qu'on a la rubrique d'aide par rapport à une certaine fonction, on a des exemples qui sont listés à l'intérieur du logiciel qui peuvent être intéressants à consulter. On peut aussi obtenir de l'aide à la ligne de commande. Il y a quelques fonctions Maxima qui nous permettent de le faire. Alors, on peut avoir une description d'une fonction. Ici, describe. Donc, on obtient exactement le début de la documentation de cette fonction-là qu'on aurait obtenue à l'aide du menu d'aide. On peut aussi obtenir les exemples relatifs à une fonction qui sont disponibles dans l'aide. Donc, certains exemples de l'utilisation de divide ici. On peut aussi obtenir une liste de toutes les fonctions qui contiennent une certaine chaîne de caractères. Par exemple, ici, toutes les fonctions qui contiennent SIN dans cet ordre. Alors, on voit arcsine, arcsinus hyperbolique, mais on a aussi des fonctions auxquelles on ne s'attendait pas, comme decreasing, parce que ça contient SIN aussi. Ça peut nous permettre de réduire notre recherche quand on a l'idée de nos fonctions, mais qu'on ne connaît pas exactement. On a aussi le point d'interrogation. On peut aussi utiliser Internet pour obtenir de l'aide. Trois manières intéressantes d'aller chercher de l'aide sur Internet. Aller sur Maxima Online, qui est notre calculateur en ligne. Si on va dans la section Help du site, en entrant notre nom dans la boîte de texte, on a un peu le même comportement que la fonction à propos. On obtient une liste de tout ce qui contient cette chaîne de caractères. Alors là, ensuite, c'est plus facile d'aller chercher l'aide sur la fonction qui nous intéresse. On obtient le même texte que ce qui est disponible dans l'aide en ligne du logiciel, avec des exemples. Le site de Maxima contient le manuel le plus à jour. Alors, les mêmes informations que le logiciel nous permet d'obtenir par le menu d'aide. Avec Google, on peut aussi faire une recherche qui nous permet éventuellement de trouver une information ou de l'aide ou des exemples sur ce qu'on veut faire avec Maxima. Maxima Add Fraction, par exemple, nous retourne certains résultats. Si on ouvre le premier, on est dans un forum de discussion où quelqu'un demande comment additionner deux fractions algébriques. Quelqu'un a répondu ici qu'on doit utiliser RATSIMP avec comme argument la somme qu'on veut faire calculer à Maxima.